Ma pire expérience amoureuse, en fait, je dirais que c'est toutes celles qui n'existent pas. En fait, qui existent, mais que dans ta tête. C'est celles que tu fantasmes. C'est-à-dire que tu te projettes, tu te prépares, t'as envie d'aller accoster cette fille, et au moment où t'y vas, elle te parle de son copain. Voilà. Donc, en fait, cette histoire ne restera à jamais que dans ta tête. Je suis sûr que vous connaissez ce dont je veux parler. Ma pire expérience amoureuse, c'est quand je suis sortie avec quelqu'un de beaucoup trop grand pour moi. Tout simplement parce que quand on marchait dans la rue, il ne m'entendait pas. Il faisait plus de 2 mètres, donc il était obligé de se pencher. Et moi, vraiment de me grandir, donc c'était juste pas possible, c'était écrit. J'ai connu une fille avec qui je suis sorti pas mal de temps. Et on se séparait tout simplement tous les 2 jours. Voilà, parce qu'on s'engueulait, puis on se remettait ensemble. Et on s'engueulait, donc on se séparait, on se remettait ensemble. Et ça a duré comme ça pendant 6-8 mois. Hein. C'était plutôt sympathique. MTV, plus ça pique, plus c'est bon.